Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, puis ça va être une vidéo sur mes moments marquants de l'année 2016. Donc, je voulais vous dire avant tout, bonne année 2017. Donc, je vais dire comme tout le monde, ça a passé tellement vite l'année 2016. On dirait que... Fou! Parti! Donc, j'ai décidé de vous dire 16 moments marquants de mon année 2016. Donc, mon premier moment marquant, c'est pas nécessairement positif, mais il y a du positif dans le négatif. Désolée, ça met un flash à mon spot, il y a un problème. I don't know what it is, mais il y a un problème. Donc, le premier moment marquant, c'est que je suis passée de en couple à célibataire. Et oui, pour ceux et celles qui ne savaient pas, je ne suis plus avec mon copain. Ça fait déjà 6 mois. Ça passe tellement vite la vie, c'est incroyable. J'en dirais que c'était hier. Donc voilà, mais pour ceux qui se demandent, je vais très bien. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, un deuxième moment marquant, ça a été mon road trip solo que j'ai fait. Et je suis tellement fière de cet accomplissement-là. Honnêtement, c'était le plus beau genre trip de ma vie, comme tout seul. Puis honnêtement, je vais mettre les liens pour les vlogs que j'ai fait. En fait, je suis partie 4 jours toute seule, puis j'ai vlogué mes 4 jours. Donc je suis partie en Ontario-Toronto. Donc si vous voulez voir ça, allez-y. Puis honnêtement, j'ai tellement trippé. Comme si vous avez la chance et le courage de faire ça une fois dans votre vie, allez-y, go! Ensuite, troisième moment, ça a été que j'ai commencé mon bac en enseignement. Donc j'ai été acceptée et j'entreprends enfin mon bac. Donc pour ça, je suis vraiment contente. Quelque chose qui m'a marqué, que je vais me rappeler toute ma vie, c'est cet été, j'ai rencontré Paris Hilton au Beach Club parce que je travaille là et j'ai eu la chance de pouvoir prendre une photo avec elle, de lui parler un peu. Donc moi et ma soeur, on a pu la rencontrer puis parler, ben comme... lui dire comme, bon, qu'elle était tellement belle puis qu'elle était trop belle. Je pensais jamais rencontrer Paris Hilton dans ma vie, jamais. J'ai aussi une vidéo là-dessus si vous voulez voir mon story time. Ensuite, en février dernier, j'ai eu la chance avec l'Auto-Québec d'aller à une soirée casino organisée comme de A à Z. Soirée avec souper, genre 6 services. J'avais le droit d'inviter quelqu'un, puis j'ai invité Justine, ma meilleure amie. Donc ça a été vraiment une belle soirée, honnêtement. On a même pu jouer dans les machines, genre... Sérieux, c'était vraiment une belle soirée, puis... Je remercie encore à l'Auto-Québec. En plus, ils m'avaient envoyé un gros paquet cadeau là, pour Noël l'année passée avec plein de trucs du casino puis de l'Auto-Québec. Donc, merci encore pour cette soirée. C'était vraiment le fun. Ensuite, j'ai participé à un événement qui s'appelle le YouTube Creator Day. Puis sérieusement, c'était mon premier événement genre en lien avec, mettons, YouTube. Là, que c'était des conférences sur YouTube. Tu sais, j'étais allée à des événements, mettons, de marque, trucs de même. Mais un événement YouTube, c'était la première fois. Puis pour vrai, c'était vraiment intéressant. Puis j'ai vraiment aimé cette journée-là avec tous les YouTubeurs et YouTubers. Donc, c'était vraiment le fun. Ensuite, encore une fois, en lien avec le Beach Club, David Guetta est venu cet été et on était à ça de lui. Alors honnêtement, on était à côté de où est-ce qu'il mixait, puis il nous a même fait des chœurs. Je vais vous mettre une vidéo là. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais il nous faisait des chœurs, puis il nous regardait, puis en tout cas, on a pris 1 million de snaps de lui. Mais honnêtement, David Guetta, c'est une légende. Selon moi, selon mes goûts à moi, et sérieux, c'était trippant de comme être à côté de lui. Aussi encore en lien avec le Beach Club, j'ai rencontré Borges, un DJ, je sais pas si vous le connaissez. Si vous écoutez un peu la musique EDM, vous allez savoir c'est qui. Mais il est tellement beau. Il est tellement sweet. Honnêtement, back en 2013, je pense, je travaillais au Beach, puis il était venu, puis je le connaissais pas, puis j'avais tellement aimé son set. Je le trouvais malade. Et j'avais pris une photo avec lui à la fin. Je l'avais posté sur Instagram. Puis il avait liké ma photo. Puis j'étais tellement. J'étais comblée, honnêtement. Fait que. J'ai remis une photo genre 2013. Puis là, j'ai repris une photo avec en 2016. Donc. Toujours aussi beau. Puis sérieusement, comme il voulait plus arrêter. Même que son gérant, il allait le chercher, genre, en arrière de sa table. Puis il était comme. Faut s'en aller, c'est fini, genre t'éteins ça. Puis il voulait juste pas s'en aller, il tripait, genre il a comme mixé pendant comme vraiment longtemps. Que les autres filles après, ils ont genre juste mixé 45 minutes, c'est vraiment chiant. Ensuite, en 2016, en novembre, c'était ma fête, j'ai eu 24 ans, puis honnêtement, je suis la fille qui veut le moins vieillir dans la vie, honnêtement. Ça me fait peur, je ne veux pas vieillir. Genre 25 ans l'année prochaine, je vais pleurer, honnêtement. Donc, c'est ça, j'ai eu 24 ans cette année, et je me dis, crime.
On dirait que l'année passée, j'avais 20 ans. C'est fou comment qu'à partir de 20 ans, ça passe tellement vite. Fait que profitez-en, là, profitez de tous les moments que vous pouvez, parce que ça passe trop vite la vie. Cet été, j'étais allée avec ma soeur et ma cousine voir Marc Dupré. C'était un cadeau de mon père qui nous avait donné à Noël. Puis c'était tellement fun comme Marc Dupré. Wow, genre... Je veux que le père de mes enfants s'habille comme lui plus tard à 40 ans. Qu'il soit... qu'il ait ce style-là. Je trouve tellement qu'il est bien habillé. Puis honnêtement, c'était tellement fun son show. Ça a duré 3 heures de temps. Quel show au Centre Bell va durer 3 heures, honnêtement? Là. Ça a duré 3 heures de temps. Il y avait plein d'artistes à inviter. Comme, c'était vraiment une belle soirée. Fait que... merci encore, papa. C'était tellement le fun. Ensuite, concernant Bricouchou, ça a vraiment été une bonne année pour Bricouchou. Honnêtement, on a comme refait tout notre site internet, vraiment à notre image. Donc, c'est vraiment un bel accomplissement. Aussi, on a comme atteint comme 1500 likes sur notre page Facebook et Instagram. Je suis comme, wow, il y a tant de monde qui savent qui est Bricouchou. Fait que pour ça, je suis vraiment contente. Ceux qui savent pas, ceux et celles qui savent pas, c'est une compagnie que j'ai avec mon amie, donc on fait des chouchous pour les cheveux, des élastiques à cheveux. Attendez. Comme, en veux-tu des choux? En v'là. C'est genre... toutes mes choux que j'ai genre choisis. Parce que quand on en fait, on veut toutes les prendre. Fait que je suis comme... ah, oh, je prends lui. Allez voir ma page si vous voulez en acheter. Vraiment pas cher. 4$ les choux. Vraiment pas cher. Puis honnêtement, c'est ça. Pour Bricouchou, ça a été vraiment une bonne année. Parlant de Bricouchou, on a ajouté plusieurs points de vente à notre compagnie cette année. Je suis vraiment contente. Donc, on a le salon Coquetta à Laval sur le boulevard des Laurentides. Où est-ce que je fais mes ongles? C'est un salon d'esthétique, là, donc ongles, cils, microblading, plein d'autres trucs. Puis, c'est ça, on vend nos choux là. Donc, si vous habitez sur à Laval, proche du boulevard des Laurentides, puis vous voulez pas commander en ligne, mais il fallait les acheter là. On a aussi le salon Belza Esthétique à Saint-Jérôme qui les vend aussi. On a le Jean Coutu à Westmount sur boulevard des Sources, si je me trompe pas. Donc, on en vend là aussi à ce Jean Coutu-là. Comme, honnêtement, Jean Coutu, j'étais comme, wow, c'est vraiment big là. Donc, c'est les points de vente qu'on a ajoutés à notre compagnie cette année. Je suis vraiment, vraiment contente. Ensuite, cette année aussi, j'ai eu mon premier vrai contrat avec une marque, avec L'Oréal. Donc, j'étais vraiment, vraiment contente. J'étais trop énervée, honnêtement. J'ai fait une vidéo, je vais vous la mettre ici en haut. C'est sur un make-up tutorial. Donc, si vous voulez aller voir, c'était en collaboration avec L'Oréal et Pharmaprix. Puis, j'étais vraiment contente. J'ai vraiment aimé ça. Ensuite, je suis allée voir en... quand? C'était-tu en mars? Je pense que c'était en mars dernier. Sugar Sammy à Québec. Puis honnêtement, c'était vraiment, vraiment bon. Comme, j'étais jamais allée voir un show d'humoriste comme connu. J'étais allée voir des shows, mettons, de humoristes de la relève ou des trucs comme ça. Des humoristes qui commencent, là, mais pas comme un humoriste établi. Puis Sugar Sammy, il est juste trop drôle. Comme, honnêtement, c'était vraiment drôle. J'étais allée voir à Québec parce que ça me tentait de faire un petit trip là, à Québec. Puis c'était avec Kevin dans le temps. Donc, c'était vraiment le fun. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ma fête de semaine. Donc, ça aussi, c'était un autre moment marquant. Aussi, je l'ai comme eu en décembre 2015, mais je l'ai mis dans 2016 parce que j'ai terminé mon certificat en petite enfance. Donc, tu sais, je peux dire que c'était en 2016, là. C'était comme 2 semaines après, ça aurait été en 2016. Donc, je voulais l'intégrer là-dedans. Donc, j'ai fini mon certificat en petite enfance. Donc, je suis vraiment contente, puis c'était vraiment pas long, tu sais, un an, ça passe tellement vite. Et dernière chose en lien avec mon certificat, j'ai travaillé comme éducatrice dans une garderie tout l'été, comme pour de vrai, après avoir terminé mon certificat, puis honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Puis comme, ça m'a tellement brisé le cœur de devoir quitter à la fin de l'été, de dire bye aux enfants auxquels je m'étais tellement attachée, honnêtement, comme le groupe des 4 ans, là, in my heart, pour vrai... je pouvais, genre, ça me faisait tellement de la peine de leur dire bye puis de dire ah, oh, j'y reverrai plus jamais. Là. Mais quoi que l'année prochaine, je vais sûrement retravailler l'été prochain. Mais il y en a qui ils s'en allaient à l'école, donc c'était comme leur dernier été, puis ils commençaient l'école après. Fait que je reverrai pas, puis je sais pas s'ils vont se rappeler de moi. Bref, j'ai vraiment aimé ça. Comme... donc voilà, c'était tout pour mes faits marquants de 2016. Donc en même temps, ça va me laisser un petit souvenir de ce que j'ai fait en 2016. J'espère que vous avez eu une belle année aussi, puis sinon, j'espère que celle qui s'en vient va être meilleure pour vous. Donc, je vous souhaite de l'amour, de la santé, plein de projets,
plein de positifs dans votre année 2017. Puis sinon, je vous dis au revoir, puis on va se revoir dans une nouvelle vidéo. Bye! What you gonna do with that dessert?